Le premier mondial de Spogomi a eu lieu ce mercredi à Tokyo, mais est-ce que vous savez ce que c'est ? Petit indice, ce mot vient de la contraction de sport et déchets en japonais. C'est en fait un nouveau sport qui a fait son apparition au Japon et qui consiste à ramasser le plus de déchets en 45 minutes. Armés de gants, de pinces en métal et de sacs poubelles, les participants ont récolté un maximum de déchets sur une zone de 5 km² dans le quartier de Shibuya à l'ouest de Tokyo. Les règles sont claires, il est interdit de courir, de se servir dans les poubelles existantes ou encore de suivre d'autres équipes. Une fois les déchets ramassés, les participants ont 20 minutes pour trier leur récolte. Les points sont ensuite attribués en fonction du volume et du type de déchets. Par exemple, un mégot de cigarette rapporte plus de points que d'autres détritus. L'équipe vainqueur de cette première Coupe du Monde de Spogomi est britannique, qui a ramassé à elle seule 83 kg d'ordures. En tout, 550 kg de déchets ont été collectés sur cet événement.